Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, un déballage de la boutique Global Land. Moi, je dis Global Land. Voilà. Donc, c'est une vidéo assez courte, hein, comme je les aime. Je vais aller à l'essentiel. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les articles que j'ai choisis. Et donc, comme d'habitude, je vous mets tous les liens, bien sûr, dans la barre d'informations juste en dessous. Voilà, si certains articles peuvent vous intéresser, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, sachez également que vous avez le droit à un code de réduction qui vous donne 10% sur vos commandes. Le code, c'est KISS10. Donc, vous voyez, c'est très, très bien emballé, hein. Voilà, là, ils ont mis un carton pour pas que les dalles soient pliées. Oh là là, c'est super joli. Donc, ce qui concerne la commande, ça a été très très rapide, moins de 10 jours pour arriver dans ma boîte aux lettres. Voilà, on va commencer par la petite feuille. Donc là, on voit qu'il y a 4 produits. Il y a 4 produits. Disons qu'il y a 4 références parce que pour certains produits, il y a plusieurs articles. Donc là, on a un dice de fond avec des ronds. On a peut-être compris ce que c'était. On va l'ouvrir, hein, tant qu'à faire. Je vais ouvrir par en bas. Vous avez vu que c'est bien emballé, bien protégé. Voilà. Puis, il y a encore un petit plastique autour. Je pense que vous avez deviné, on a un petit gruyère, voilà, avec des trous. Là, on a des petits morceaux de gruyère. Là, on a un petit cœur. Là, on a des petites pattes. Une queue, et puis on a une tête de souris et une tête de chat, et je pense que ça c'est peut-être pour la petite souris, je sais pas, on va voir quand je vais utiliser ça, ou le corps va, peut-être ça va pour les deux, je ne sais pas. En tout cas, je trouvais ça vraiment très très joli et très 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 sympa. Donc ensuite, je cherche le début, je sais pas où c'est. Voilà. Alors, voilà. Donc, ce set de dice, en fait, se compose de. Ouh. On va casser. Voilà. Donc, il y a 4 dice. Voilà. Je vous remontre les dice. Donc, il y avait ce dice-là, avec donc la voiture, les petites étoiles et les deux petits cœurs. Après, il y avait ce dice-là, avec la bouteille, le rectangle et le verre. Et puis, la flèche, avec le, une forme de diapositive. Hein, voilà. Ensuite, il y avait ce dice-là. Donc, je vous mettrai au montage les mots. Je mettrai un avec le mot. Parce que là, je pense pas que je... Ben non, je ne peux pas. Je... Voilà. Non, c'est pas welcome. Je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle plus. Donc, je regarderai sur le site qu'est-ce que veut dire les 3 mots. Voilà. Puis, je vous mettrai. Hein. Ça, c'est le 3e. Et donc là, c'est le 4e dice. Donc là, on a des petits œillets en forme d'œillets. Hein. Là, on les a en forme d'étoiles. Là, on a un petit avion. Et puis là, toujours comme des petites diapos. Voilà, je trouve ça vraiment très, très joli. Le dernier. Alors, ça sera peut-être plus facile à ouvrir. Alors, toujours les trous qui correspondent à ce système de... De fermeture, hein. Donc ça c'est à enlever. Donc là on a déjà un petit timbre, un petit tag, et puis là c'est écrit happy, là c'est écrit love, une étoile. Donc là on a déjà 3 petits dice avec des mots et une étoile. Là, c'est aussi à enlever, hein. Donc on a des formes de d'œillets, hein. Voilà, d'œillets. Là, je vais vous les mettre comme ça quand même, vous verrez mieux. Hein. Donc, il y a ce dice-là avec une bordure d'enclée.
Là, on a un système comme, j'appelle ça des tickets de métro, hein, voilà, à détacher, un trombone, un thank you, un autre trombone, ils sont différents, on dirait une boucle, moi j'appelle ça comme une boucle de ceinture, des œillets et puis une pince, et puis là, qu'est-ce qu'il y a écrit Ah, je crois que c'est Best Wishes. Donc là, celui-là, c'est aussi à détacher. Voilà, tout ça est, sont à détacher. Ce sont des rectangles, des carrés. Là, il y a un petit avion. Là, il y a un petit cœur. Et puis là, on a une punaise, une petite flèche. Et je les trouve vraiment super, super beaux. Donc, j'ai pris comme ça 4 planches de tampons. Donc, je sais que c'est pas du tout la saison. Donc, c'était bien emballé. Hein. Voilà. On va commencer par cette planche-là. Donc, elle est vraiment super belle. Donc, on a. Donc, c'est sur le thème d'Halloween. Hein. Moi, c'est ce qui me plaisait. Donc, on a Joyeux Halloween, Halloween Boo, Trick or Treat. La nuit d'horreur, on a des petites citrouilles, on a une tête de mort, on a un cimetière, une petite sorcière, une petite chauve-souris, un petit château. C'est sous forme de timbre, hein, voilà, un petit corbeau. Donc j'ai pas mal de tampons et de choses sur Halloween, mais ça je n'avais pas, je trouve ça vraiment très beau, c'est ce qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, moi j'aime bien le côté Halloween, le côté amusant. Toujours des choses amusantes, jolies. Alors celui-là, ben, Happy Halloween, hein, avec la repose en paix, le petit chaudron de la sorcière, des petites citrouilles. Alors celle-là, elle est marrante parce qu'il y a un petit chat sur la citrouille, puis c'est une citrouille rigolote. Bon, des choses plus macabres, la petite main qui sort de terre, voilà. Mais autrement, c'est une planche plutôt jolie et sympathique avec les... les petites potions de poison, le petit crâne avec la petite bougie, je trouve tout joli. Ça, c'est, je trouve ça super, super joli. Donc, c'est la petite citrouille sous forme d'épouvantail. Donc, vraiment, c'est une planche que j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Après, j'ai pris aussi les planches d'Halloween parce que, voilà... moi, j'aime bien, je crois qu'on appelle ça des scules. Enfin, moi, j'en avais acheté comme ça en diamond painting. Et puis, je les avais fait. Donc, ce sont des porte-clés. Donc, j'en ai 4, hein, comme ça. En plus, ils sont très beaux. Hein. Là, il y a des fleurs. Là, il y a comme une toile d'araignée. Là, il y a une étoile et puis des feuilles d'érable. Là, il y a des fleurs. Bien. Excusez-moi, j'ai un de mes chats qui a voulu rentrer avec moi. Donc, on a des petits fantômes, comme ça. Là, c'est écrit Halloween. Là, c'est Haïwu. Donc là, on a les mots. Ah, c'est tellement effrayant. Et donc là, on a des petits visages, des yeux et des bouches. Donc là, il y a 4 modèles. Là, il y a aussi 4 modèles. Donc, on peut les mettre au niveau des fantômes. Donc, bref, vraiment faire des modèles différents. Un chapeau de sorcière, un ballon, la fourche du diable, une toute petite citrouille, le petit balai de sorcière. Et puis, bon, je vous ai dit les petits fantômes, la petite doigt d'araignée. Donc, ça, c'était 4 donc, planches de tampons sur le thème d'Halloween. Et vraiment, les tampons sont vraiment pas chers. Donc, comme la précédente collaboration, vous aurez 2 autres vidéos où je ferai une création, donc en utilisant des produits que j'ai sélectionnés, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me poser en commentaire des questions, si vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !